Le 28 juillet 2007, une femme paniquée appelle en pleine nuit les pompiers depuis un bourg du Périgord. Elle vient de tirer sur son concubin qui saigne du thorax allongé sur un canapé. Les secours prennent la route du lieu-dit Les Civadales, isolé à plusieurs kilomètres de Saint-Laurent-des-Bâtons, au milieu des bois. Martine Méo, 50 ans, les attend prostrés sur la terrasse, une carabine de petit calibre posée sur une table, à côté de 4 cartouches. Michel Tabanou, 48 ans, est examiné par le médecin des pompiers, qui décide de le transférer aux urgences de l'hôpital de Périgueux. Sur place, les médecins le placeront en réanimation, sans l'opérer, les fragments de balles étant trop proches d'une veine principale. C'est horrible. C'est horrible. Pour lui, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Et pour moi, parce que j'ai quand même... Il y a une balle qui est partie. Et ça, c'est la catastrophe. Placé en garde à vue, Martine Méo raconte que son compagnon venait de l'abandonner à pied à 15 km de leur domicile. À son arrivée, excédée, elle a pris le fusil et s'est approchée au chevet de Michel Tabanou, le coup de feu partant sans qu'elle l'ait voulu. Tabanou, lui, se souvient surtout d'un cri, crève-charogne, avant le tir. L'accusation va soutenir que Mme Méo serait rentrée dans la chambre avec ce fusil, qu'elle aurait dit à son concubin avant de tirer, crève charogne, le coup serait parti. Moi, je pars du principe que Mme Méo a effectivement blessé M. Tabanou, elle l'a blessé avec une arme à feu, mais la qualification pénale de tentative de meurtre, qui donc sous-tend finalement l'intention de tuer, l'intention de supprimer M. Tabanou, pour moi n'existe pas. Il est vrai que j'ai eu cet acte, mais j'ai pas, je suis pas un assassin au fond de moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre un fusil et tuer les gens par nature. C'est de longue haleine, il s'est passé ça, et bon, je le regrette, évidemment. On ne peut pas tirer sur quelqu'un sans le regretter. Ça me paraît impossible et inconcevable, d'ailleurs. C'est pas humain. Le procès de Martine Méo s'ouvre le 6 avril 2010 à Périgueux, devant la cour d'assises de la Dordogne. Deux journées d'audience sont prévues. 10 témoins et 5 experts doivent être entendus. Michel Tabanou s'est constitué partie civile contre son ancienne compagne. Physiquement, il s'est rétabli, mais les psychologues affirment qu'il est devenu anxieux et dépressif. Martine Méo est en liberté après avoir effectué 6 mois de détention provisoire. Elle n'a revu Michel Tabanou que lors de la reconstitution judiciaire. Il est venu à l'audience en compagnie de sa mère et de sa sœur. Le jour est arrivé. Je fais confiance à la justice. Voilà. On est là pour éclaircir le drame. Je serai plus tranquille après. Martine Méo est accompagnée de ses deux filles, Séverine, 33 ans, et Alexandra, 25 ans. La famille s'est retrouvée à l'occasion du drame et du procès. Nerveuse, confiante, parce que bon, j'ai quand même confiance dans la justice malgré tout. C'est une institution, la justice, une cour d'assises, tout ça, ça me dépasse un petit peu quand même. Je sais pas, je suis un peu perdue. Michel Tabanou semble impressionné par le décorum de la salle d'assises, tandis que l'huissier déballe les pièces à conviction, dont le fameux fusil 6 mm. Les intérêts de Michel Tabanou sont représentés par maître Thierry Le Gall. À ses côtés, maître Henri-Michel Gatta assure la défense de l'accusé. Le siège du ministère public est occupé par l'avocat général Pierre Aurignac, vice-procureur de Bergerac. Les débats seront dirigés par le président Michel Regaldo de Saint-Blancard. Le verset est ouvert, vous pouvez vous asseoir.
la Cour va consacrer cette première demi-journée d'audience à l'examen des faits reprochés à Martine Méo. Le 28 juillet 2007, le couple Martine Méo-Michel Tabanou se rend en fin d'après-midi au Bugue, un village situé à 22 km de la maison des Civadales. Ils rendent visite à des amis de Tabanou, Viviane et Jean-Jacques Lacoste. J'ai arrosé mon anniversaire, mes 50 ans. Et ils étaient venus m'aider à monter un chapiteau pour recevoir mes invités le lendemain, quoi. Voilà, c'est tout. Puis on a monté le chapiteau, puis après on a fait un petit dîner, puis après tout le monde est rentré chez soi. Pour Martine Méo, la soirée n'a pas été bonne. La présence d'une jeune femme, qu'elle soupçonne de s'intéresser d'un peu trop près à Tabanou, l'a rendue furieuse. On avait une personne au féminin qui apparemment ne lui plaisait pas qu'elle soit là, c'est tout. Et donc, bon, voilà. Elles ne se sont pas dit bonjour et pas adressé la parole de la soirée. Puis on est resté là. Le couple quitte le Bugue à 23h. Chacun a bu un peu plus que de raison. La conversation tourne très vite à la dispute. Martine reproche à son compagnon de se laisser draguer. Michel lui répond qu'elle se fait des films. Mets-toi à monter un petit peu, je lui dis arrête-toi, je vais fumer une cigarette. Arrête-toi 2 minutes, quoi. Tabanou refuse, puis finit par accepter. La voiture s'immobilise à ce carrefour, en pleine nature. Alors, je suis sortie de la voiture et j'ai plus ni feu, j'avais ma cigarette sans feu. Il a fermé la porte, il m'a dit tu remontes tout de suite. J'ai dit non, je remonte pas, je fume ma cigarette. Et il a reclaqué la porte, il est parti. Et j'ai attendu un petit moment sur le bord en me disant il va revenir. Et non. On est à entre 15 et 17 km du domicile, à minuit. Ma Méo n'a pas son sac à main, donc pas de portable, pas d'argent, rien. Je me suis trouvée toute seule au milieu des bois, en pensant qu'il y aurait peut-être un troupeau de sangliers qui allait arriver, qui allait me... Enfin bon, c'est inimaginable ce qu'on peut penser, hein. Alors moi, les sangliers, les cerfs, enfin, tout ça, j'ai peur. Donc voilà, j'ai eu peur de ça. Après, je me suis dit, bon, bah, il a peut-être eu un accident. Alors je marchais, je regardais sur le bas-côté, voir s'il n'y avait pas de voiture dans le fossé. Elle va parcourir ses 15 km, 3 heures, en pleine nuit. Et lorsqu'elle arrive dans la maison, elle ne va pas directement voir M. Tabanou. Elle s'assure de deux choses. D'abord que sa petite fille a bien été raccompagnée par M. Tabanou et qu'elle est bien couchée. Et ensuite, elle va s'assurer d'une deuxième chose qui est de vérifier que sa mère, qui est invalide et qui réside au domicile du couple, qu'elle-même est couchée, qu'elle n'a besoin de rien, qu'elle est endormie. Là, je suis revenue, j'ai été dans la chambre et je lui ai dit « je suis arrivée ». Et je suis sortie. Je suis partie fumer une cigarette. Et je me suis accroupie sur la terrasse, je caressais mes chiens. Et d'un coup, je me suis retournée, j'ai vu le canon de l'arme. Et là, j'ai dit, il va m'écouter. Et puis voilà, mais je voulais absolument pas, je voulais pas le tuer. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc elle va s'emparer de ce fusil. Elle va regagner la chambre. Monsieur Tabanou est endormi, elle dira même qu'il est en train de ronfler, donc elle se dit, mais c'est pas possible, il vient de me laisser il y a 3 heures comme un chien au bord de la route, et finalement il s'est endormi comme si de rien n'était. Donc il faut quand même que je lui dise qu'il y a une attitude qui est pas correcte, en tout cas à mon égard. Je tenais le fusil dans la main gauche, je l'ai réveillé avec la main droite, et je dis, écoute, maintenant il faut qu'on parle, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Il s'est retourné, il m'a regardé, et d'un coup j'ai entendu paf. J'ai pas vu de sang, rien du tout. Il m'a dit, je me lève, il s'est levé. Dans ma tête, ça a été... Il y a eu ce bruit, mais bon, c'est bon. Je suis revenue à... Vraiment, ça m'a remis tout de suite. Et pas de sang, donc c'est parti dans le matelas. Pour moi, c'était dans le matelas. Et c'est quand je suis arrivée sur la terrasse que j'ai vu les chiens sur la terrasse qui étaient en train de lécher quelque chose, que j'ai regardé, que j'ai vu que c'était du sang et que j'ai vu après sur son t-shirt la tache s'élargir. J'ai posé l'arme, j'ai été le coucher et j'ai appelé les secours. Sur le déroulement précis des faits, les versions divergent. Martine soutient qu'elle tenait l'arme de la main gauche, au chevet du lit, tendant la main droite vers Tabanou couché.
Lui affirme que Martine se tenait au pied du lit. L'expert balistique fixe d'ailleurs à 1,50 m la distance entre l'orifice du canon et le point d'impact du projectile. Il y a eu un point d'entrée à la partie moyenne du thorax et elle a pénétré au niveau du foie. Bon, ben, apparemment, d'après l'expert balistique, la balle avait ricoché sur une côte, donc aurait déjà été freinée. Et ensuite, c'était une toute petite balle, donc de 6 mm, donc apparemment qui avait pas beaucoup de, qui n'était pas très délabrante, quoi. Et elle s'est arrêtée, par chance, à 1 cm de la veine. Tout le procès se joue sur l'intentionnalité de tuer, aussi bien pour la justice, qui poursuit l'accusé pour tentative d'homicide, que pour Michel Tabanou lui-même. Il a pensé qu'il allait mourir, sachant qu'il a pris un coup de fusil, sans compter aussi, alors après il y a eu des discussions pour savoir si effectivement elle lui aurait dit ce qu'elle lui a dit, c'est-à-dire crève charogne, quand même c'est pas rien comme terme. Donc il était dans une angoisse de mort évidente. Moi, j'aurais tendance à penser que cette phrase, il l'a bien entendue. Parce que quand on vit un choc traumatique, c'est une sorte d'exacerbation des sens. On a l'impression souvent que ça dure beaucoup plus longtemps que ça n'arrive en réalité. Et la personne se souvient de tout. Donc je tendrais à penser qu'elle lui a dit réellement ça. Ça, c'est certain que je ne l'ai pas dit. Puisque bon, c'est pas les termes que j'emploie en règle générale. Je suis... Non, c'est pas mes mots. L'expert balistique a encore établi que la queue de détente du fusil était bien réglée et que le coup n'avait pas pu partir accidentellement. C'était une arme qui était utilisée pour effrayer les chiens, vraisemblablement avec des munitions, peut-être pas de gros calibre, puisqu'on sait que c'est du 6 mm de type brousquette, comme on dit. C'était, à mon sens, une arme qui était déjà chargée par M. Tabanou pour, lorsqu'un chien arrivait trop près de la maison, il la prenait, il tirait en l'air, et puis ça faisait du bruit, bon, voilà. C'est lui qui s'en occupait, de charger, décharger, je sais pas, en fait, si elle était... Alors après, je me suis retrouvée à la gendarmerie, on m'a dit, vous avez chargé l'arme. Bon, bah oui, je l'ai chargée. En fait, j'ai pris l'arme, mais j'ai pas calculé de balles. C'était pas les balles qui m'intéressaient, c'était faire peur, exister par quelque chose qui va montrer que je suis d'égal à égal, quoi, puisque j'étais inférieure à lui. Sa première version, c'est « j'ai pris l'arme, je l'ai chargée ». Sa version a changé, puisqu'elle a compris, à l'appui de son conseil, que dire qu'elle avait chargé une arme permettait d'établir une partie de son intention. Donc, elle ne s'en rappelle plus aujourd'hui si elle a chargé cette arme. Première variation. Deuxième variation aujourd'hui, c'est que peut-être que le coup serait parti accidentellement. L'expert a été clair. Aucun coup avec cette arme ne peut partir accidentellement. L'accident, c'était pas possible mécaniquement. Qu'elle se trouve à côté, qu'elle le réveille et puis ensuite qu'elle recule, ça ne pouvait pas coller avec la trajectoire. Je crois que l'histoire qui est la plus crédible, connaissant sa personnalité, qui est quand même particulièrement tourmentée, une personne qui est très impulsive, qui a beaucoup de mal à résister à la frustration, elle se trouvait dans une position particulièrement indélicate pour elle, elle s'est sentie vraiment frustrée. Donc je crois que c'est cet ensemble d'éléments qui permettent de se dire, oui, à ce moment-là, pendant un instant qui a été certes fugace, elle a voulu le résultat qui, heureusement, n'est pas arrivé. Finalement, les choses se passent pas forcément à notre désavantage, en tout cas. Ouais, c'est vrai, hein, il n'y a pas de... Non, j'ai pas comme le président, hein, vous l'interroge de manière tout à fait objective. Pas d'agressivité, il n'y a pas de... de la part de M. Tabanou, enfin de Michel, je ne sais pas, vous sentiez vraiment l'agressivité. D'ailleurs, quand le président lui a posé la question de savoir si, selon lui, vous aviez l'intention de le tuer, il aurait très bien pu dire « Ah, si, ben oui, forcément, attendez, évidemment. » Il a dit « Il ne sait pas, je ne sais pas, j'en sais rien. Bon, » voilà, je crois qu'il sait que je ne voulais pas, en fait. C'était juste. Mais oui, parce qu'ils ils se rendent compte que vous n'aviez aucune intention de le tuer, que vous ayez pris une arme, oui, que vous ayez pris cette arme pour... peur, rétablir un équilibre, provoquer la discussion, Mais pour faire ce qu'on vous reproche, non, même lui, il n'en est pas persuadé. Même lui, l'avocat général est plus persuadé que lui. Et si j'avais vraiment eu cette intention de tuer, je serais allé là où il y avait les armes et j'aurais chargé une arme de gros calibre. Sachant qu'il avait des 10, des 12, des.
Oui, 10, 12, 16, enfin bon, il y avait un peu tout. Je savais tout à fait où c'était. Les cartouches, elles étaient juste à côté du téléphone et sur la cheminée. Enfin, je veux dire, je savais où c'était. Si j'avais cette intention de tuer, j'aurais été chercher une arme pour tuer. L'examen des faits laisse les jurés indécis. La thèse de l'accident semble écartée, mais l'acte délibéré paraît encore peu crédible. Même si les différentes versions de l'accusé brouillent un peu les cartes. Vous êtes le seul à ne pas avoir varié dans vos dépositions. Là, on va voir Madame Lecomte, qui est l'enquêtrice de personnalité, qui a fait une enquête qui n'est pas voyante pour l'accusé. Hein. Ah bon ? Pour tenter de trouver une explication au geste criminel, la cour va examiner le passé de l'accusé. Le témoin clé de cette partie de l'audience, c'est son père, le regard caché derrière ses lunettes noires. La cour ! Tout au long de sa déposition, le père ne jettera pas un regard à sa fille, prostrée dans le box des accusés. Bien, c'est reprise, vous pouvez vous asseoir. Au milieu des années 50, Claude Méo, le père de Martine, rentre avec sa compagne du Maroc, où il faisait son service militaire. La famille s'installe d'abord en Normandie, où naît Martine. Le père est tueur aux abattoirs, sur lesquels donnent les fenêtres de l'appartement. En 63, la famille achète une boucherie à Montpellier. C'est le début d'une certaine aisance financière, mais cela ne compense pas la froideur glaciale qui règne entre les membres de la famille. Martine est une enfant turbulente et indocile. Une gosse tordue, résume sèchement son père à la barre. C'est surtout sa maman qui m'a dit que quand elle attend Martine, le papa ne veut pas de cet enfant. Il veut un mort-né, dit-il. Donc, effectivement, et la maman veut absolument cette petite fille. Donc déjà, c'est une enfant qui n'est pas voulue au départ. Elle a eu du mal d'ailleurs à me parler de son père comme si c'était quelque chose d'insupportable. Et d'ailleurs, elle m'a dit à plusieurs reprises, il n'existe plus pour moi, il est comme mort. C'était un dictateur, entre guillemets, bien sûr. Mais c'était quelqu'un qui ne pensait que... Pour lui, c'était la force, la puissance et la gloire. C'est pas tout... Ah oui, c'était ça. Et j'ai voulu lui ressembler pendant des années, parce que c'était mon idole. Hein. Une anecdote résume les relations père-fille. Claude Méo ne reconnaîtra Martine que lorsqu'elle aura 13 ans. Même si les parents sont très pris par leur commerce, puisqu'ils ont une boucherie, rien ne va à la maison et c'est une enfant qui ne rentre pas dans le cadre que s'est donné le papa pour le futur. C'est pas une enfant martyre, mais parfois les corrections dépassaient quand même la mesure. C'est un petit peu démesuré malgré tout. Hein. La bouche éclatée, des yeux comme ça. Lundi matin, j'arrivais à l'école et je disais, je suis tombée de l'armoire. Je suis tombée de cheval ou la porte de l'armoire m'est tombée dessus ou l'armoire, mais voilà. J'ai même une religieuse qui m'a dit un jour, elle me dit, mais vous ne pouvez pas dire à vos parents qu'ils changent votre armoire. En 65, naît une sœur, Pascale, assise ici, à côté du père. Au moment où la naissance de Pascale a lieu, elle se retourne contre elle, puisque à deux reprises, la maman m'a dit qu'elle avait voulu la faire tomber de son landau. Et même au moment de sa naissance, elle ne suit pas le papa et la maman à la clinique. Si ma mère avait vraiment eu de l'amour, ça aurait tourné autrement. Mais elle me disait, quand ma tante, elle était dans le ventre de ma grand-mère, ils lui ont dit, bon, ben écoute, maintenant, t'es plus rien n'est à toi. Maintenant, il faudra tout partager. Ils lui ont pris son truc de quand elle était toute petite, son petit doudou, et puis ils lui ont dit, bon, mais ça, ce sera pour le bébé. Voilà. Martine fait sa première fugue à 14 ans, direction Paris, où sa mère finit par la récupérer. Mais rien ne sera plus comme avant. Désormais, la vie de Martine Méo sera scandée de déplacements et marquée d'instabilité. J'ai peur de prendre des coups, donc je suis partie à Paris.
où j'ai rencontré le père de ma fille aînée. Quand elle rencontre son premier compagnon, le papa propose à ce qu'il vienne travailler dans le restaurant qu'il a acheté. Et là aussi, elle montre un côté rebelle et elle va se servir dans la caisse puisqu'elle subtilise trois chèques pour s'acheter parfums et chaussures. Martine regagne alors la région parisienne. Sa vie part à la dérive. Elle est fascinée par le luxe et par tout ce qui brille, attirée par l'alcool et les drogues, et happée par la petite délinquance et la prostitution occasionnelle. Sa première fille, Séverine, naît en 76. Martine descend à Montpellier pour confier l'enfant à ses parents. Martine, dans son incapacité d'être une jeune fille normale, l'est encore moins pour être maman. Le bébé naît et elle apporte le bébé à sa mère, sa mère va l'élever jusqu'à l'âge de 14 ans. Et cette petite fille l'appellera madame quand Martine viendra la voir à chaque vacances. Et sa tante Pascal, ça va être sa sœur pour cette petite fille. Donc vraiment, là, il y a quelque chose de l'ordre d'une non-reconnaissance aussi de ce qu'elle est en tant que mère. Ayant été mal aimée, ayant été le mauvais objet de ses parents, c'est très difficile après d'être parent. Très, très difficile d'être parent du fait que trimballe un petit peu tout ce vide qui l'a beaucoup marqué dans sa trajectoire personnelle, affective, avec les images parentales. J'ai pas peur de tenir mes larmes quand j'ai vu mon père. C'est pas négatif. J'ai plus de contact avec lui. De temps en temps, je l'ai appelé pour lui dire voilà, moi, j'avais besoin de dire papa, tout simplement. Alors je l'ai appelé, mais bon, c'est pas possible. Il a fait une autre vie, quoi. Il a une autre vie. Donc je le connais plus, c'est un monsieur que je connais pas. On n'a plus de contact avec notre grand-père. On est dans la salle des témoins. Je me suis assise devant lui comme ça et puis je l'ai regardé. Il n'y a pas eu de bonjour, il n'y a pas eu d'effusion ou ne serait-ce qu'enchanté. Il n'y a pas eu ça. Et pourtant, ma sœur, il l'a eu jusqu'à l'âge de 6 ans, quoi. Alors moi, je ne l'ai pas connu, ça va, mais ma sœur, ça a été difficile. Ça a été très difficile. La famille achève d'imploser en 1980. Claude Méo quitte la mère de Martine, qu'il n'a d'ailleurs jamais épousée. La jeune femme poursuit son errance de Paris à Montpellier. Elle cherche la stabilité, elle cherche de l'affection. Elle a quand même eu 5 compagnons, dont 2 maris, 2 enfants, et elle n'a jamais trouvé de la stabilité. Martine Méo réussira même la prouesse d'épouser un prénommé Serge en septembre pour en divorcer en décembre de la même année. En revanche, elle vivra près de 10 ans avec un autre homme, retrouvant une certaine forme de stabilité provisoire avant une nouvelle séparation. Toute sa vie, elle sera ainsi ballottée entre des hommes et des villes, au gré d'une quête éperdue d'un bonheur insaisissable pour elle. Cette manière de vivre l'amènera aux frontières de la délinquance, jusqu'à la conduire finalement derrière les barreaux pour vol, recel et falsification de documents. Elle sera incarcérée 3 mois. J'étais assez forte pour remonter même des coups durs. Je suis toujours remontée. Toujours parce que je me suis toujours occupée plus ou moins de mon physique. Et c'est le fait de se regarder dans une glace et de se dire « bon, ça va », ça aide psychologiquement. S'habiller, s'arranger, je veux dire, ça aide. La cour va maintenant examiner la vie de l'accusé depuis 2003, début de la liaison avec Michel Tabanou. Vous allez venir ici, vous allez déposer tout ça, et vous allez expliquer ce qui s'est passé. Je vous ai dit, vous allez être un peu gêné. Vous êtes prévenu. Ça va pas être très agréable à un moment donné. Bon, ça va durer quelques minutes alors que... De son côté, ça dure 2 jours. À l'époque, vous l'aimiez quand même, oui. M. Tabanou. Oui. D'accord, il y avait ces épisodes un peu délicats, mais c'était quelqu'un. J'ai du sentiment. C'était quelqu'un auquel vous teniez quand même. Bien sûr. D'accord, donc ça, je vous poserai la question, monsieur. Okay. D'accord. D'accord.
Pour les deux anciens amants, c'est le moment de vérité. À eux d'expliquer ce que fut leur couple, aux jurés d'en déduire les responsabilités de chacun. Depuis quelques années, Martine Méo est revenue à Bergerac, près de sa mère, sa sœur et de ses filles. Elle est sans compagnon, plutôt désœuvrée et pas mal colérique. Elle suit des cours d'infirmière, sans succès, mais décide de s'octroyer quand même le diplôme. En 2003, elle a l'idée de reprendre contact avec un homme qu'elle n'a croisé qu'une fois dans sa vie, Michel Tabanou. Elle a idéalisé cet homme, dans un premier temps. Elle est allée à sa recherche. On sent très bien qu'elle a été active dans cette mise en œuvre de la relation affective et sentimentale avec cet homme. Sachant que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, un humour lourd, gras. Mais bon, ça me changeait du quotidien, ça me changeait de plein de choses aussi. C'était une découverte, c'était autre chose, je vivais une autre vie. Et il me faisait rire, oui, c'est vrai qu'il m'a beaucoup fait rire. Martine finit par s'installer chez Michel à Saint-Laurent-des-Bâtons. D'emblée, les proches doutent de la pérennité de ce couple atypique. Lui, le campagnard, chasseur, amoureux de la nature. Elle, surnommée la Parisienne, adepte de la ville et de ses plaisirs. Elle cherche quelqu'un qui a une assise, parce qu'il a un chez lui, il a une fille d'un certain âge. Elle va pouvoir peut-être s'installer à ses côtés, donc une certaine sécurité. Michel Tabanou travaille depuis l'âge de 17 ans. Le décès précoce de son père l'a contraint à assurer avec sa mère l'éducation de ses frères. Il est le plus ancien employé de cette papeterie, située le long de la Dordogne, une papeterie qui tourne 24 heures sur 24 en travail posté. On sait qu'à l'époque, il avait tendance à recevoir des amis, à être très ouvert sur le monde. C'est un chasseur, c'est un gars de la campagne, il aime bien recevoir chez lui, tout le monde le dit, justement ça pouvait gêner ce couple. C'est un couple atypique. Dès le début, rien ne les rejoignait et elle s'est éprise de lui complètement et ça a évolué où elle s'est complètement oubliée. En lui, parfois, j'avais l'impression de voir mon père. Alors j'avais dit à ma sœur, j'ai mis on dirait papa, parce qu'il avait des attitudes que je retrouvais en fait. Il fumait les mêmes cigares que mon père, enfin je veux dire, des choses. Quand il souriait, il avait son cigare au même endroit. J'ai plus de photos puisqu'il a tout gardé. Est-ce que c'est pas ça qui m'a attirée vers lui aussi? Je sais pas. Rapidement, des disputes éclatent. Michel Tabanou n'aime guère recevoir ce qui ressemble à des ordres. Martine Méo ne se plaît guère en compagnie des amis de Michel, qu'elle qualifie de parasite. Elle essayait de s'acheter des crèmes de temps en temps, de faire semblant qu'elle se faisait plaisir, mais elle était à la campagne, elle laissait ses cheveux complètement détachés, tout décoiffés. Pendant 3 jours, elle ne les coiffait pas. Elle s'habillait avec des vieux vêtements, elle ne faisait plus attention. J'étais rien. Rien. Quand on entend que vous êtes humilié tout le temps, vous n'êtes rien. Voilà, devant les copains, ouais, laisse tomber, elle vaut rien. Quand il me qualifiait, j'ai appris ça il y a peu de temps, en parlant de moi, il disait « ça ». Je l'ai appris là, il y a quelques jours. Le climat au sein du couple ne cesse de se dégrader. Les cris succèdent aux scènes de ménage. Martine lance du vinaigre au visage de Michel, puis des assiettes et un jour un couteau. Un témoin assiste à ces scènes violentes. C'est le locataire de Michel Tabanou qui vit dans cette maison depuis de nombreuses années. J'ai vécu avec eux pendant 2 ans, et c'était deux qui étaient très très forts. Ils n'arrivaient pas à s'entendre, et puis il y avait de la violence, et puis ça a fini par de la violence physique. C'était surtout psychologique, il y en a eu quelques-unes, mais bon, je me suis défendue. Hein. Voilà, je me suis pas laissée taper, non. Non. Bon, j'ai cassé beaucoup de vaisselle. Un jour, j'étais à ma chambre et puis j'ai entendu, ça faisait beaucoup de bruit à la maison, et puis j'ai entendu Martine qui criait, qui m'appelait Daniel, qui m'appelait. Puis j'ai trouvé Martine qui était par terre, elle avait dû prendre
Elle avait dû la faire pousser contre le mur ou prendre un coup de poing contre le mur. Voilà, c'est des scènes, et puis après, mais ça s'est aggravé. Il me reproche de lui avoir couru derrière avec des couteaux. Je n'ai pas couru derrière avec des couteaux. Oui, j'ai pris le couteau, j'ai voulu aller crever les pneus, oui, c'est vrai. Incapable d'avoir le dernier mot dans sa propre maison, Michel Tabanou se réfugie régulièrement en haut de sa palombière. Là, il est chez lui, au calme, près de cette nature qui lui est indispensable, et surtout loin des cris de Martine et de ses accès de fureur. Ça donne l'impression d'un couple, on va dire, un petit peu inversé, que c'est elle qui était dominante et lui soumis. Mais ce n'est pas aussi caricatural que ça. Quand il y a un dominant insoumis, il y a une tentative du soumis, entre guillemets, de prendre un petit peu d'autorité. C'est-à-dire d'un jeu où lui l'a provoqué et puis il s'alcoolisait quand même tous les deux aussi. Donc cet élément d'alcoolisation n'est pas neutre non plus dans leur fonctionnement de couple. Il y a deux choses qui vont se greffer sur le couple. Il y a d'abord le fait que Mme Méo récupère sa petite fille de 2 ans à l'époque, puisque sa mère la fille de Mme Méo est particulièrement malade, donc elle ne peut pas s'occuper de cette petite fille de 2 ans. Donc le couple recueille finalement ce bébé. Et quelques mois après, le couple va recueillir, à la demande de Mme Méo, la mère de celle-ci, qui a fait un AVC sur Montpellier, et qui donc regagne également le domicile du couple Méo-Tabanou. Tout est arrivé en même temps, tout c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et j'ai présumé de mes forces aussi, peut-être. Je pense que M. Tabanoux, quand même, même dans son côté un peu rustre ou personne de la campagne, est quelqu'un qui a du cœur. Et qui peut-être aussi ne veut pas contrarier Martine, qu'il voit peut-être dans des difficultés à s'occuper de sa maman et de sa petite fille. Il adorait ma petite fille, hein. Ça c'est quelque chose que je ne pourrais jamais lui retirer. Il a donné beaucoup d'amour à cette petite, qu'il le lui rendait. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Ça c'était un sentiment qui était vrai. Un aspect de personnalité intrigue les jurés. Plusieurs témoins ont dit avoir eu peur de Martine Méo. Sous ces aspects d'éternelle victime, l'accusé semble cacher une violence latente décrite à demi-mot par sa propre mère. Ça m'a posé beaucoup de questions. Quand la maman, à la fin de l'entretien, m'a dit « Je ne veux pas la voir à la maison de retraite, j'en ai très peur, et j'avais peur à Saint-Laurent-des-Bâtons. » Et elle avait fait allusion une fois aussi au fait que Martine maniait les armes assez facilement, parce que son père, je crois, avait des armes au domicile, et qu'elle les avait mis à un moment tous en joue. C'est une femme violente. Une femme qui fait peur, nous l'avons entendu, qui fait peur à sa mère, qui fait peur à son père, qui fait peur à sa codétenue à l'époque. C'est quand même assez particulier pour une personne aujourd'hui qui se dit victime de son mari ou de son concubin. La cour et les jurés en resteront sur cette évocation d'une femme capable de violente colère, aux antipodes apparentes de l'image de l'accusé dans le box, calme et repentante. Exactement la même image, exactement le même comportement qu'aujourd'hui. D'accord. Ok. Oui. Vous rentrez où? Vous rentrez sur Bergerac? Je rentre sur Bergerac, ouais. Là, oui. Ah, oui. J'ai ma fille, je rentre ma fille, je m'attends. Et il revient demain. Coupez un peu avec. Ok. Allez, à demain. C'est effectivement le cliché qui s'efface. On aurait pu avoir un cliché classique de la femme battue et du monstre qu'aurait pu être mon client. On apprend en fait de par son passé que ce n'est pas du tout ça. On apprend que ce cliché ne peut pas et ne pourra pas fonctionner demain lors des plaidoiries. Les jurés vont retenir une personne fragile, une personne en perte de vitesse, j'allais dire, dans ce couple-là, une personne qui avait manifestement changé entre avant M. Tabanou et après cette rencontre, et une personne qui était en perdition. On a beaucoup parlé d'une personne en perdition, d'une personne délaissée, d'une personne qui était finalement se rendait compte qu'elle n'était, elle l'a dit, hein, dans le cadre de son audition, qu'elle n'était plus rien. Voilà, donc une espèce de vide dans ce couple-là. Ça va.
Demain soir, ça ira mieux. À l'écoute de l'audience, les jurés ont été marqués par le lent mais inexorable processus qui a accompagné la vie sentimentale de l'accusé. Chaque échec semble avoir aggravé son ressentiment et décuplé sa colère. Le même processus se répète à l'échelle de Michel Tabanou. On passe des disputes à la menace d'un couteau, en passant par les assiettes brisées. Dans ce contexte, le coup de fusil final ne peut pas relever de la simple contingence. C'est la seconde journée d'audience. Ce soir, la cour et le jury vont devoir décider du sort de l'accusé. Michel Tabanou semble plus décontracté. Hier encore, il était amer. Certains jours, a-t-il raconté à la barre, Martine était sage comme une image. Les autres, elle était invivable. J'avais espéré que cela se passerait. J'ai perdu. Projectile. Ma balle. Chaque fois, je passe un portique de sécurité. Alors, j'ai évidemment une carte. Je sors, je fais mes courses ou ailleurs. Martine Méo arrive au palais avec son nouveau compagnon. Elle s'est efforcée de ne pas penser à l'éventualité du retour en détention dès ce soir. Bien, tu auras le docteur Bonan. Le docteur Bonan, c'est le psychiatre. Le psychiatre, je n'ai pas défavorable en fait. Non, pas de difficultés particulières, comme c'est quelqu'un de. Il n'y a pas de maladie, on va dire, de maladie psychiatrique, de névrose, il n'y a pas de côté dangereux, il n'y a pas ce côté-là qu'on peut voir des fois dans les affaires criminelles où la personne est difficilement réinsérable, etc. Ce n'est pas du tout votre cas. D'accord ? On va s'avancer ? On y va. Allez. La cour va ce matin tenter, à l'aide des experts, de décoder le fonctionnement psychique de l'accusé. Cela permettra peut-être de savoir ce qui s'est joué dans sa tête en un instant, au moment de tirer sur son compagnon. Elle-même en fournit une raison qui ne peut satisfaire les experts. Ce n'est pas pour discuter d'égal à égal avec Tabanou qu'elle s'est saisie du fusil. C'est dur quand même, hein, parce qu'on a que les commentaires sur les journaux à la radio, mais je trouve que... Ils sont pas gentils. La confiance. Oui. L'élément déclenchant du drame se situe pour les experts à deux niveaux. D'abord, cette longue marche solitaire, dans le noir, vécue comme un nouvel abandon, un nouveau rejet. Et puis la dernière humiliation, qu'est cette image de son compagnon dormant et ronflant, dira-t-elle, à son retour. C'est plus que son psychisme ne pouvait sans doute en supporter. Tout ce qu'elle a pu recevoir des hommes, et en premier de son père, ont déterminé chez elle une forme de souffrance, en tout cas d'insatisfaction. Et de cette insatisfaction, on remarque qu'il y a une instabilité, instabilité qui s'est répétée et qui n'a jamais pu trouver un quelconque équilibre. La vie fait qu'il n'y a pas de relation idéale, il n'y a pas de relation fusionnelle. Malheureusement, hein. Donc elle est toujours dans la déception. Et plus elle est dans la déception, et plus ça devient dramatique pour elle. Et puis sa personnalité fait qu'elle dramatise toujours un peu les choses. Elle est un peu dans cette théâtralité, quoi. Il y a un témoin qui disait qu'elle avait le chic pour réussir à se créer des situations où ça allait mal finir. Je crois que ça fait partie de sa personnalité. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des scènes tout au long de sa vie qui marquaient effectivement une violence et des témoins qui, d'un côté comme de l'autre, là, pour le coup, il y avait quand même relative unanimité, disaient on n'est pas étonné du tout, on savait que ça allait arriver. Ce qui est quand même pas banal dans ce type de dossier. Apparaît encore un élément qui restait sous-jacent.
Martine Méo ment beaucoup, souvent et à tout le monde. Mais s'agit-il de mensonges utilitaires ou s'invente-t-elle sa propre réalité ? Ses compagnons, qui après ont pris du recul, ne voulaient plus du tout entendre parler de cette personne. Et se remémorer, elle, quand j'en ai eu deux au téléphone et que j'en ai rencontré deux, m'ont dit « cette histoire, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Elle nous a trop raconté d'histoires. » On ne peut pas parler de mensonge. Je pense que quand elle parle d'elle, quand elle parle de sa vie, elle y croit. Ce qu'elle tente de nous faire passer, c'est son mal-être, ses difficultés sur le plan affectif et émotionnel. Et de ce fait, elle essaye de construire pour démontrer, pour pas s'effondrer en quelque sorte, une histoire à travers une image qu'elle voudrait être la plus proche possible de ce qu'elle souhaite, en tout cas, être réellement, vraiment. Et je pense que sans cet agencement finalement de cette histoire qu'elle nous livre, sans un peu romancée, elle serait en dépression. Je pense que cette femme lutte contre la dépression. En détention, comme en liberté sous contrôle judiciaire, Martine Méo s'est opposée à toute prise en charge thérapeutique. L'avocat général lui en a fait vertement reproche, comme l'avocat de la partie civile. Michel Tabanou a accepté l'aide psychologique. L'experte qui l'a examinée conclut que le drame a remplacé chez lui le besoin d'aider les autres par la peur de l'autre. C'est ce qu'on te dit, t'es trop bon. Tu donnes trop. Après, ça te redonne. La première partie des débats, l'instruction des faits, est terminée. La seconde va s'ouvrir avec plaidoirie et réquisitoire. Non. On va commencer par les parties civiles. Réquisition. Et bon. Il dit la parole en garde. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette d'avoir de mettre en parler de cette arme, de te faire peur. Il faut le dire toi-même, tu sais. Tu sais bien que c'est parce que j'ai fait. D'accord. C'est sur ce ton-là. Les avocats et le représentant du parquet vont débattre de l'intention de tuer qui a ou n'a pas animé l'accusé au moment précis du coup de feu. C'est le nœud juridique central du procès. L'intentionnalité conduirait à une tentative de meurtre. L'absence de volonté homicide ne traduirait que des violences volontaires avec armes. La sanction pourrait en être diminuée. Il y a une personnalité, il y a une circonstance. Ce soir-là, elle est amenée à faire 12 km à pied. Elle rumine. Peut-être qu'elle ne serait jamais passée à l'acte, mais cette circonstance fait que pendant 12 km et demi, elle est fatiguée, elle a bu, et à l'arrivée, elle voit son compagnon ronfler. Elle est totalement exaspérée, elle n'en peut plus. Elle veut que ça s'arrête. Et le seul moyen que ça s'arrête, c'est de mettre fin à la vie de M. Tabanou. Renchérissant sur la partie civile, l'avocat général affirme que cette affaire n'est en rien une dispute qui a mal tourné, mais bel et bien une tentative de meurtre. Employant une vieille citation latine, il évoque un meurtre ab irato, c'est-à-dire commis sous l'emprise de la colère. Et il réclame contre l'accusé 5 ans de prison avec injonction de soins. Tous les crimes ne méritent pas la réclusion criminelle à perpétuité, ni 15 ans. Et moi, je crois que la solution que je propose à la cour d'assises est quelque chose qui me paraît sage. À la fois, il y a une réponse en termes d'emprisonnement. Il y a cette proposition de soins qui paraît indispensable parce que les experts sont quand même pas très rassurants sur l'idée d'une récidive ou non. Le réquisitoire est adapté justement à cette personne qui refuse l'évidence, puisque le procureur a requis une peine complémentaire, l'obligation de soins. À défaut, si elle ne se plie pas à l'obligation de soins, elle devra exécuter 1 an
ou ce que fixera la cour d'assises. Pourquoi ? Parce qu'elle ne souhaite pas se soigner. Elle a la conviction qu'elle n'est pas atteinte d'une pathologie. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame, parce que qu'elle ait commis ce genre de crime, c'est une chose, mais qu'elle expose d'autres personnes à un renouvellement d'infraction, c'est dramatique. C'est dramatique. Je pense rien. Là, je suis vidée, je pense rien. J'attends que mon avocat ait plaidé, j'attends de pouvoir m'exprimer, je verrai après. Il y a des réquisitions qui sont pas... qui prennent en compte aussi le contexte de l'affaire, parce que si on poursuit quelqu'un pour tentative de meurtre, c'est effectivement c'est la perpétuité. Là, il descend à 5 ans quand même. Donc c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose qui colle pas dans ce dossier. Au nom de la défense, Maître Gatta parle d'une femme profondément blessée, tant par un père qui n'en voulait pas, que d'un dernier compagnon pour qui elle n'était rien. Affirmant que Martine Méo n'a jamais eu l'intention de tuer, l'avocat réclame l'acquittement. C'est une descente aux enfers entre ces deux pôles finalement extrêmement forts l'un et l'autre. Moi j'ai tendance à croire que Martine Méo a voulu provoquer cet électrochoc de la discussion avec cette arme pour être crédible quelque part, en lui disant voilà, maintenant on va se poser, maintenant tu vas m'écouter, j'ai une arme. Je ne sais pas si elle marche ou pas, mais j'ai une arme, donc je suis finalement ton égal. Maintenant, je suis ton égal et nous allons discuter. Les débats sont maintenant clos. La cour et les jurés se retirent pour délibérer. Comme le veut la procédure, Martine Méo est emmenée en salle de police pour y attendre le verdict. Tandis que les avocats regagnent provisoirement leur bureau, jurés et magistrats, 8 hommes et 4 femmes, entament leurs réflexions. 6 questions leur sont soumises. Les deux premières concernent la tentative de meurtre, aggravée par la situation de concubinage de la victime. Les 4 dernières ont trait aux violences volontaires, avec la même circonstance aggravante. Il faut donc d'abord dégager une majorité de 8 voix au moins pour trancher sur cette question de l'intentionnalité. Il faudra ensuite au juré déterminer une sanction, assortie ou non d'un sursis. Ils peuvent aller au-delà de ce que a demandé le procureur, hein, enfin l'avocat général. Hein. S'ils estiment qu'il a été trop gentil, entre guillemets, sur le réquisitoire, ils peuvent monter, ou ils peuvent descendre, ou ils peuvent acquitter. Tout est possible, tout est possible. S'il y a un acquittement, c'est magique. C'est le ressenti des jurés qu'il faut respecter. Hein. Si on n'est pas d'accord, après, on relève appel. Hein. Enfin, l'avocat général. Mais c'est un respect de la décision qui sera rendue, du verdict qui sera rendu. On ne peut pas contester. L'audience va reprendre pour la lecture du verdict. Le délibéré a duré près de 2h30. La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. Aux questions subsidiaires numérotées 3 à 6, relatives aux faits de violence aggravées, la réponse est sans objet. En conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté à la majorité conformément à la loi, condamnent à la majorité absolue Mme Martine Méo à la peine de 5 ans d'emprisonnement. Par décision prise à la même majorité absolue, ordonne d'un sursis judiciaire pendant 3 ans,
ni ce que ce suivi comprendra une injonction de soins. En conséquence de l'indécision rendue, la Cour prononce mandat de dépôt à votre encontre. Condamné, vous avez 10 jours pour appeler à l'appel de l'arrêt qui vient d'être rendu passé. Ce délai ne serait plus recevable. L'audience criminelle est levée. La cour d'assises de la Dordogne a condamné Martine Méo à 5 ans de prison avec obligation de soins durant 3 ans. Elle a été incarcérée aussitôt après l'audience. Aucun appel n'ayant été interjeté, le verdict est définitif.